Gravant-Rivière, sur la commune de Cagnes-sur-Mer. Je me situe dans un cadre qui vient d'être installé. Un cadre qui mesure 3 mètres de large sur 2 mètres 50 de haut, qui a été installé sur plusieurs centaines de mètres et qui va permettre d'augmenter le débit des eaux torrentielles canalisées jusqu'à la mer. Le cadre en fait a été installé en parallèle d'un cadre déjà existant, donc une rivière souterraine qui a été canalisée il y a déjà un certain nombre d'années. Donc le cadre qu'on voit juste à côté. Et on se trouve à l'endroit où il va y avoir la jonction entre les deux cadres. Pour faire cette jonction, il faut évidemment pouvoir travailler au sec. Et c'est là qu'on a installé un barrage Watergate que je vais vous montrer. Nicolas l'a rejeté là. Bon. Donc c'est des poignées en fait velcro, ouais, qui servent justement parce qu'on n'a pas d'attache à ces niveaux-là. Parce que ces niveaux-là, on ne vous a pas expliqué, mais tous ces barrages, on peut les relier les uns aux autres pour rallonger les longueurs. D'accord, par des systèmes de mâchoire velcro. Donc au milieu, on ne met pas de fixation. Et donc on fait ces poignées velcro juste pour pouvoir tenir au milieu. Ça, on vous la laisse en fait. Hein. Qui existait déjà et qui était insuffisant en termes de capacité. Donc là vous le doublez, vous le mettez à côté. Et comment vous faites en sorte de les rejoindre, que est-ce qu'ils se rejoignent? Ils se rejoignent ici, quand ils se rejoignent, ils se croisent là. Ah là, ils se croisent, c'est-à-dire que là on va passer de l'autre côté. D'accord. Là continue de ce côté-là. Et alors c'est quoi les difficultés ou les contraintes de chantier? L'eau, la crue, les réseaux existants, la ville. Thank you.